Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'un steelbook que j'attendais particulièrement, même si le prix de 29,99 est un peu abusé. Donc là il s'agit de l'édition spéciale Fnac de Ghost in the Shell, qui comporte la bande son du film, ainsi que, après ça c'est dans toutes les éditions, le master original du film, enfin le master, qu'est-ce que je veux dire, la version originale en fait, parce qu'il était déjà sorti en Blu-ray, mais en version 2.0 remasterisée, très nul, avec des images de synthèse, etc. recréées, donc très très moche. Donc, ce steelbook, comment se présente-t-il? Ah, chose que j'aime bien, c'est ça, je pensais que ça allait être dedans. La petite surprise que je savais pas. Donc, bon, dommage, c'est une pochette cartonnée, j'aurais préféré que ça soit une boîte plastique, quoi, dure. Très bonne soundtrack. Donc ça reprend le visuel. Pardon, ça reprend le visuel du steelbook UK. Donc steelbook que j'aime beaucoup aussi, très intéressant. Alors qu'est-ce que ça nous propose? Format 1080 couleurs, audio 5.1 et 2.0. Voilà, bof, pas terrible. Bonus vidéo, trailer, making of, interview de Mamoru Oshii, Digital Works et remasterisation. Ouais, bon, c'est pas énorme. Le plus intéressant, bah, c'est la remasterisation image et son. On verra ce que ça donne. Bon, ce qui est dommage, c'est que je l'ai racheté dernièrement, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, en DVD. Mais bon, là, c'est du Blu-ray et c'est du steelbook, donc c'est beaucoup mieux. Donc pas de débossage ni d'embossage, c'est un type mat, quelques effets métalliques sur les parties du major et sur la ville. Je sais pas si on peut voir, petit reflet sur la tranche. On reprend le titre, évidemment. Le verso. On a un plan de la ville. Avec une toute petite phrase ici. À l'intérieur. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc, nous avons le Blu-ray. Et le Blu-ray du Ghost in the Shell 2.0. Donc cette non fameuse version du film qui était déjà sortie et que malgré tout très compliqué à trouver, très cher et pourtant très mauvaise. Donc à l'intérieur on a un petit livret. Si j'arrive, voilà, je vais y arriver. Donc l'artwork interne, c'est une suite de chiffres, ça fait un peu penser à Matrix. Donc sans plus. À l'intérieur, on a un peu de pub, on s'en fout, et un petit livret. Je sais pas si ça fait partie, je pense pas, de l'édition spéciale Fnac, justement. Donc, une intro, une interview, une biographie, une discussion avec Kenji Kawai, donc le mec qui a, comment dire, fait la bande-son, et du réel, et un storyboard. Bon, c'est pas fou, il y a quoi, il y a 10 pages quoi, à tout côté. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker si c'est pas déjà fait. Donc mettez un pouce bleu si vous voulez et abonnez-vous. Donc à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis, à bientôt.